Alors, je répète. Suite à l'événement qu'on a eu dimanche, on a plein de nouvelles têtes sur les lives maintenant, que ce soit le groupe adhérent, que le groupe fitness classique. Donc, je vous invite que j'ai une posture tête de sec. Bon, allez, c'est là que vous connaissez déjà. J'ai une posture à travail de 45 minutes. Travail de mobilité, de posture, de renforcement en profondeur sur tous les muscles du corps. On va passer par les jambes, par les chevilles, par les abdos, par le dos, les épaules, la poitrine, on va tout faire. Sans tout le ventre et sans tout le dos. L'objectif, c'est vraiment de travailler votre posture, votre mobilité et vos yeux, vous tenir au quotidien. Ok? Donc, ce que vous allez faire pour ce petit peu que je vous posturale, je vous donne un énorme conseil. Soufflez et inspirez. Respirez, ok? Tenez-vous droit, toujours. Vous devez très souvent vous tenir droit. Mais cherchez à chaque fois cette ouverture de la cage thoracique pour travailler la posture. Il n'y a rien de mieux. Vous poussez dans votre place, le dos, et vous allez voir ce que vous avez. On y va? Allez, on y va. Alors, on va commencer par un peu de mobilité, on est parti. 40-45 minutes ce soir, comme d'hab. Avec ballon, avec tubi, avec la tubi. Mettez vos pieds sur les hanches. Allez, cherchez à inspirer. Agrandissez-vous. On allonge les bras au-dessus des épaules. On inspire le ventre. On relâche vos épaules. Ok, plongez le bras gauche vers l'arrière. On inspire un peu plus. On ouvre. Ok, changez de bras. Inspirez. Ouvrez. Allez, changez de bras. Poussez vraiment la paume de main à l'arrière. On peut poursuivre un peu les épaules et le dos. Parfait, relâchez. Placez-vous au sol. Mobilité sur le bas des jambes, sur les hanches. Jambes droites devant. On descend vers le sol et vers l'avant. Ok? Donc là, plus vous descendez, plus vous sentez de la tension dans les adducteurs et le psoas. Ça commence à s'échauffer. Allez, parfait. On relâche. Placez vos mains au sol. Les mains à l'intérieur. Le fait de descendre les mains, on a un peu plus d'amplitude pour descendre. Hein. Ok, tout doucement, vous allez ouvrir la main côté jambes avant. Ouvrez pour la droite. Inspirez. Et pivotez vers l'extérieur. Gardez vos hanches basses. Gardez votre genou ouvert à l'extérieur. Yes, parfait. Donc là, on cherche à mobiliser vraiment dans les épaules, dans le dos et le pouce. Parfait. Relâchez. Posez au sol. Restez toujours sur la main droite. Je vous montre de profil. On va se redresser. On va rester par les hanches. Et pour la suite, on va essayer de souffler les quadriceps. Si vous pouvez, attrapez le pied arrière, talon presse. Gardez vos hanches de face. Si jamais ce n'est pas possible, gardez vos côtés au sol et restez bas sur les hanches. Sentez ici le quadriceps arrière. Il s'échauffe grâce aux étirements. 4, 3, 2, ok, stop. On change de jambe. Oui. Pied gauche devant. Replacez les hanches vers l'avant et vers le sol. Ça va? Moi, ça va. Allez, sentez vraiment. Essayez
allez chercher un peu plus loin au fur et à mesure. Ok, relâchez vos épaules, placez vos mains à l'intérieur. Expirez, descendez, parfait. Restez ici, épaules basses. On ouvre le genou gauche. Ok, mobilité au haut du corps. Pivotez, inspirez, allongez. Appuyez dans votre main qui est au sol pour pouvoir pivoter vos épaules et faire une grande ligne droite. Essayez d'être un peu plus sur les hanches et essayez de mettre un peu plus sur le buste. Un petit café, un petit stimulant. Parfait, parfait. Relâchez vos pensées, redressez-vous. Je vous le remonte de profil. Travaillez sur les biceps et restez basse les hanches. Si vous pouvez, essayez d'attraper le pied à l'air. Vous sentez ce qui se passe dans le corps. Le corps se prépare. Eh, ça tire. Ok, parfait, relâchez. Replacez le bout. Libre de la cloche. Attrapez les mains. Inspirez profondément. Et tout pour terminer. Yes! Parfait. La suite, nous partons pour le renforcement. On va commencer avec ceci, votre meilleur ami pour ce soir. Donnez-lui un prénom si vous voulez. C'est le football. Prenez dans vos mains, mettez vos pieds côte à côte. Et pour l'instant, placez la main juste à l'avant de votre tête. On va commencer, pied côte à gauche, pied côte à gauche, on pousse les hanches en arrière. Yes, on le redresse le dos. Nous allons travailler le bas, le centre et le haut du corps en même temps. Gardez de la flexion sur vos jambes, un petit sous droit, les bras tendus. Hein. Travaillez de votre aiguilleur. Ok, repliez votre jambe gauche, pliez en force et cherchez à vous ouvrir un peu plus. Voilà. Vos jambes ne vont pas apprécier, hein, mais ça fait du bien. Replacez au centre, redescendez en position. On écrase les talons. Ça va, les deux? On se pointe en avant. Sur la droite. On descend. On ouvre un peu plus. Et on y va. Hey, salut Marie. Ça va Marie? J'ai mangé tout ce chocolat Marie. Allez, parfait. Revenez. Maintenant, placez votre squat large. Gardez votre balle haut. Maintenez la position pour l'instant. Ok, descendez les bras et regardez la suite. On squat, on lève et on ramène, on relâche. Yes, même chose. On essaie deux travails importants. Les jambes, les fessiers sur le squat. Et le genou et la posture avec le switch ball. Wow. Allez, continuez dans ce mouvement. Sur les épaules. Sur le dos. N'oubliez pas, essayez de vous chercher toujours à ouvrir votre buste un maximum. Oh. Eh, vous savez quoi?
Reste en bas. 30 secondes. Si jamais la position lâche à cause du ballon, restez ici au poids de corps. Mais redressez-vous. Yes. On descend un peu plus bas. On ouvre un peu plus. 15 secondes. Oh. Vous inquiétez pas, ça fait mal, mais ça fait du bien. Descendez, 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 descendez. 4, 3, 2, stop. Ok, parfait. La suite, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. On va travailler, presser, avec cœur. Prenez votre football. Placez votre pied gauche. L'intérieur du pied gauche sur le ballon. Et là, parfait. J'aime pas cela. T'inquiète, là, ça va passer vite. Boum. Pied gauche au centre. Les hanches face à la caméra. Le pied droit à l'extérieur. Ok? On descend en force en poussant les hanches. Let's go. On descend en force. On ouvre les hanches. Et on pousse vos places. À vous de jouer. Donc là, je vais sentir également deux choses. Ce travail de renforcement de la jambe droite. Et ce travail de souplesse mobilisée sur la jambe gauche. Allez, continuez à faire le mouvement. Ça va, Lass. Un petit conseil. Mettez votre poids de corps sur la jambe droite. Écrasez votre talon. Et travaillez avec votre talon. Prenez votre temps. Soufflez, inspirez. N'hésitez pas à rester quelques secondes quand vous êtes en bas pour accumuler plus de tension et plus de travail en profondeur. Parfait. Restez bloqué en bas. Oh. Attention à ne pas pivoter les hanches et restez bien en face avec la cage thoracique ouverte. On recommence. On reprend le mouvement lent. Ça va? Ça va les gens? Là, c'est magique. Je vais commencer à soulever un peu les hanches. Au fur et à mesure, on peut descendre un peu plus bas. C'est magique. On termine. 30 secondes. Bloqué en bas. Et là, rien ne bouge. Appuyez la jambe appuyée. Levez le muscle. Abdos engagés. 15 petites secondes. Si ça bouge, c'est que tout va bien. Si ça bouge pas la tête, c'est que tout va bien. Tout va bien. 4, 3, 2, 1. Comment ça va? Allez, sur les deux, sur les jambes. Place. On attaque la place, c'est sûr. C'est sûr. Mettez votre pied droit maintenant. Et l'intérieur du pied. Bon, placez vos hanches. Et placez les côtés de l'extérieur. On refait la même chose. Pense, descendez. Exactement la même chose. Votre communauté, c'est garder le contrôle de votre mouvement. Pour avoir
absence de résultat et d'isolation dans les murs. Ça va, Marie? Les chocolats étaient bons, Marie. Très bon. Prenez votre temps et poussez bien vos hanches arrière ou encore le sol. Allez, on fait quelques petites positions un peu plus basses. Ok, parfait. Petite dernière fois. Le premier tour, c'est 15 secondes. On descend. Bloqué en bas, 15 secondes. Maintenant, si je ne dis pas de pile, Alex, elle en fait bien. Elle a 90 degrés. Ok, parfait, reposez. Reprenez le mouvement là. Sentez tout ce qui se passe quand vous êtes en bas. Vous sentez le corps réagir. On bloque 30 secondes. 30 secondes. Poussez le sol. Yes. 15 secondes. Si vous pouvez accentuer l'amplitude. Oh. Parfait, parfait encore. 4, 3, 2, 1. Bingo, cool. On a fait une grosse partie sur les jambes. On a fait une grosse partie maintenant sur le dos. Yes. Je vous en prie, allongez-vous sur le ventre. On va faire des pas pour l'instant et vous pouvez être au-dessus de la place. Allez, ici. Placez maintenant vos deux mains. Poignée au sol en face de vous. Relâchez les épaules, rentrez la tête. Inspirez le ventre. Pour l'instant, cherchez juste à pousser le buste vers le haut en poussant dans les mains. Pour l'instant, ça va. Ok, maintenant, en gardant le buste en haut, on va essayer. Regardez, voilà, décoller un bras après l'autre. Sans bouger le buste. Ouais, essayez. Prenez votre temps à monter la descente. Là, le défi, c'est vraiment de vous enlever le buste pour activer vos lombaires. 15 secondes. Gardez bien vos manches ancrées au sol. Allez, plus derrière. Ok, parfait. Reposez un peu le buste. Et maintenant, découlez vos bras du sol. Restez ici. Épaules basses. Rentrez la tête. Partons pour les tirages de couverture. Ici. On va tirer, ouvrir le buste. On écarte à l'extérieur. On replie à 90 et on replace loin devant. Ok? On va la même chose. On tire. Ouvrez la cage thoracique. Tirez les coups de bosse. Et replace loin devant. Ça va? Encore une fois. Tirez bien le plus fortement possible. Vos second place. Et parfait. Maintenant, ouvrez les bras à l'extérieur. On replace le buste en haut. On pousse dans les mains pour lever le buste. Ok, parfait. On va décoller par l'avion.
ici. Pivoter sur un peu bien. Surprenez sur le sol. Changez. Pour l'instant, vos pieds et vos cuisses restent au sol. On déploie juste le bras, la poitrine. Ça va? Ok, maintenant, ramenez la jambe opposée. Ok? Bras droit, gauche. On lève la jambe et repose. Change de jambe, change de bras. Rappelez-vous que le chute postural, le plus important, c'est pas la vitesse. C'est la tension musculaire qu'on peut mettre dans les mouvements. Alors prenez votre temps. 15 secondes. Voilà. Cherchez à accentuer la hauteur et l'amplitude à chaque fois. Ok, parfait. Bloquez pendant 15 secondes sur ma côté. Peu importe lequel. Levez le bras, levez la jambe. 15 secondes sur un côté, ça fait mal, mais ça fait du bien. Relâchez, changez. Oh. Essayez de coller un peu plus la poitrine du sol. Pincez vos lombaires et renforcez-les. On repose. Encore une fois de chaque côté. Let's go. Maintenez le contrôle sur ce que vous faites, toujours. On repose. Allez, on termine. L'autre côté, 15 secondes. Courage. Ce mémoire, ça fait du bien au dos. Ça fait du bien pour tous les os, ce mouvement. Et le postural aussi. 4, 3, 2, stop. Mettez-vous sur les genoux. Et étirez quelques instants votre dos. Oh, c'est du bien. Hey, c'est du bien ça. Ok, parfait. On déroule et on relâche. Parfait, Nico. In and out. Placez-vous debout. On va rester sur notre travail du dos. Avec les jambes. Prenez votre tubi, puis en deux. Pardon. Tubi, puis en deux, vous allez placer votre tubi au niveau des cuisses, à la langue aux cuisses. Ensuite, mettez une légère tension dessus. Passez les mains à l'avant. Écartez les mains à l'extérieur du tubi. Ok? Vous appuyez sur le bras droit dans la côte. On tire, on reste et on redescend. Même chose de l'autre côté. On tire, le coude vers le haut et vers l'arrière. Parfait. À droite. Gardez votre moitié au genou fixe. Sable et tirez sur l'autre. Encore 15 secondes. Si jamais vous n'avez pas de tubi, prenez juste les poignets, prenez des bouteilles d'eau, prenez des chaussures, prenez des trucs de lait, prenez le chien, prenez le chat. Allez, portez la main un peu plus haut pour la dernière. Sauf que ce n'est pas fini, ça serait trop facile. Restez vos mains tendues. Et maintenant, placez-les ici, au-dessus de la tête. Plus ou moins, comme le premier mouvement qu'on a fait du front. Et on fait la même chose. Regardez. Oh, là c'est dur. Toujours le coude vers les côtes. Maintenant, vers le bas et vers l'arrière.
des dorsaux qui vont travailler très fort. Là, vous n'avez pas vos épaules, hein. Vous n'avez pas votre dos, vous avez vos épaules aussi. Hein. Vos deltoïdes. Posturaire et latéral. Vous savez, la tension que vous avez grâce à ça, c'est comme un tir à l'arc. Plus vous tirez, plus vous êtes charge, plus vous avez tension accumulée. 15 secondes. C'est magique, hein? Le tuning, c'est magique. Et on commence à dire pour tous les jours, pour tout le temps, pour tous les cours. Wouh! Stop! Oh! Au centre. Ok? On se reste. Maintenant, on va travailler un peu plus pour les épaules et les cuisses sont en place. Bras droit, latéral. On ouvre et on redescend. Super lentement, même sur la gauche. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? C'est chaud, hein? Alex, pas toi, Alex. Et ta famille la suite encore, Alex. Imagine la suite. Gardez vos manches loin derrière. Et gardez de la flexion dans le coude pour sécuriser vos articulations. Yes, à droite. Ceci va renforcer vos épaules. Et surtout vos omoplates, donc fixe à cœur, pour mieux vous tenir. Bloquez à droite. Restez quelques secondes à droite. Vous pouvez rester un peu plus bas s'il faut, il n'y a pas de souci. On redescend. Et on fait à gauche. Let's go. Attention aux hanches, votre buste doit rester face au sol. Comment ça va? Ça va pas? Alors on pousse à droite. Gardez de la flexion pour garder des contrôles pour les genoux, sur votre mouvement. On redescend. À la fin, une dernière fois à gauche. Une dernière fois à gauche. Je sais que ça fait mal, mais sentez tous les bénéfices qui s'installent dans votre dos. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Vous savez quoi? C'est bien sur les abdos. Donc le bien, c'est bientôt la fin. Mais non, 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 c'est pas fini, loin de là. Bon, bon, le bas du corps. Et quoi de mieux que le bas du corps? Les fessiers. Cumulez le bassin. Et oui. Allez. Vous devez mettre votre ballon contre les fessiers. Les talons contre les cuisses. Bras long du corps. On va pousser le ballon et lever les hanches. Let's go. Pousse-moi. On s'allait les pieds. Restez 2-3 secondes et redescendez lentement. Sans pousser le sol. On repart. On lève. Avant de toucher le sol, gagne toujours le travail dans les muscles. J'ai
j'avais le mouvement pour me conduire avec le ballon. Pas de soucis, faites-le au sol. Choisissez votre entité avec ou sans ballon. Il faut que demain matin vous pensiez à moi, les filles. Ok, parfait. Bloqué, statique en haut. On pousse. Allez, on stabilise. Demain matin, on vous pose les pieds par terre. Vous dites, j'ai une posture. 15 secondes. Allez, pousse vos épaules et pousse pas sur le plus haut possible. Parfait. 4, 3, 2, relâchez. Wow. Ça va? Ça va? Ok. Nous avons un deuxième niveau. Pour travailler un peu plus votre stabilité, vos appuis et votre proprioception. Comment ça passe? Les colossales? On va rester statique sur le lever de bassin. On va rajouter une petite chose. C'est ça. Pendant 2 à 3 secondes, vous essayez de décoller une jambe après l'autre. Si jamais le mouvement n'est pas possible, pas de problème. Gardez vos deux pieds, gardez vos hanches hautes. Il reste encore 15 secondes. Pressez fortement ça. Ça va, Alex? Allez, ça va commencer à se diviser là, on va faire le mouvement. Je vous rajoute 15 secondes parce que je vous aime bien les filles. Hein. Enfin, il n'y a peut-être pas que des filles, alors les gars aussi. Hein. Il n'y a pas beaucoup de posture, hein. Mais il sera quand même. Oh, ok, parfait. Relâchez, reposez vos hanches sur le sol. Yes! Nous avons fait le niveau 1, nous avons fait le niveau 2, il reste le niveau 3 à faire. Qu'est-ce que c'est que le niveau 3? Qu'est-ce que c'est? Allez, assis. On va chercher à pousser le bassin en haut. Le bloc va être beaucoup plus court et beaucoup plus intense. On va tirer le genou. Extension. On ramène. Et on repose. À vous de jouer. On tire. Extension. On tire. Et on repose. Cherchez vraiment à aligner vos genoux sur l'extension. Demain matin, c'est que j'ai pas bien fait mon boulot. Ok? Allez, encore 15 petites secondes. En gros, encore une fois, chat. Pour acheter la difficulté générale.
Et si vraiment vous êtes à l'aise, éloignez-le le plus loin possible. Premier mouvement, tirage poitrine. Je vous côte à côte à la poitrine. Et on fait un long en planche. Let's go. On appuie sur les mains. On s'avance contre les fessiers. Si jamais ça va être trop difficile, rapprochez votre ballon et restez juste en planche. Vous allez avoir des abdos en béton, hein, malgré tous les chocolats de l'avant qu'on mange. Et oui, hein, je vois c'est moi aussi. Hein. Allez, 15 secondes. Sentez cette compression dans le centre du corps en tirant vos genoux. Yes? Évidemment. Ça va? On n'a pas fini avec la planche, on va reprendre un peu après. Allongez-vous sur le dos. Mouvement d'extension pour travailler le bas et le haut du ventre. Jambes tendues, main sur le football, on décolle le dos. Vous le connaissez très bien déjà. À l'extension. On descend les jambes, les bras, on repousse, et vous placez le ballon sur les jambes, au plus simple que ça. Rattrapez, redescendez. Option, si vous sentez que vous avez mal au dos, on plie les genoux, et on pose au sol. 15 secondes. Là, vous êtes blessé. Au fur et à mesure des secondes, on puisse descendre de plus en plus bas. Ok? Plus de travail de tension. Allez, ça va plus bas. Vu que j'ai commencé à me faire tard, le cours finira un peu plus tard. T'arrives. T'arrives. Allez, encore, on va faire 15 secondes, parce que je vous aime bien. Mais vous ne pouvez pas. Eh, je vous aime pas, hein. Allez, courage. Essayez maintenant de décoller un peu plus votre dos ou de décoller un peu plus le bas du dos. Dans les épaules et on redescend super lentement.
toi. Faites comme vous pouvez. Sinon, restez juste en planche. Alex, tu m'en fais 5 ou 6. Hein. Là, tu m'en fais 8. Hein. Allez, on termine. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Maintenant, on va récupérer et relâcher un peu. Mettez vos les genoux. Poussez vos hanches en arrière. Et allongez vos deux bras devant vous. Fin de séance. Récupérez, s'il vous plaît. J'espère que vous avez bien senti le travail qui s'effectue dans le corps, dans le bas, dans le haut. Et que vous ressentez les bénéfices de semaine en semaine. Allez, placez votre bras droit sur la gauche. Poussez votre doigt à l'intérieur. Étirement des épaules, des dorsaux. Allez, cherchez un peu plus loin à l'extérieur. En puissant un peu plus votre dos. Allez, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous.
Et parce que les gens sont venus, ah, merci à toi, merci à toi. Allez, bisous.